Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça y est, on y est enfin, ouverture Carnassier 2018. C'est 7h là c'est 7h. On est arrivé il y a 1h30. Il faisait complètement sombre, il pleuvait, on s'est pris une grosse averse. Donc voilà, j'ai déjà décroché un brochet. Enfin décroché, il m'a tapé, je l'ai loupé au ferrage. Donc ça s'annonce relativement prometteur quand même. Sinon... Y a pas trop de monde, c'est cool, il y a 5-6 flats tubes, un bateau. Franchement ça va. Mais on est parti vraiment sur un bon coup de tête parce que j'ai mon collègue Thibaut qui est juste là sur le bord. Il est sur le bord pourquoi? Parce que son flat tube a crevé juste au moment du gonflage quoi. Alors je vous prie de croire que crever le jour de l'ouverture, ça fait vraiment mal au cul quoi, parce qu'on était vraiment tellement impatients d'être aujourd'hui. On languait vraiment là, ça faisait 2 mois qu'on voulait pêcher au leurre. Même si on a fait une ou deux sessions en privé, on voulait vraiment que ça soit l'ouverture pour qu'on puisse aller partout où on veut. Et malheureusement, il a crevé quoi. Enfin, c'est des choses qui arrivent, mais bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, il a mal géré son truc. En tout cas, voilà, c'est vraiment dommage, il va devoir faire l'ouverture du bord. On va essayer de rester pas trop loin pour pouvoir quand même faire les photos. De toute façon, on va rester pas trop loin pour faire les photos, filmer quelques combats si on peut y arriver. En tout cas, voilà. Bon, bah, j'espère de toute façon qu'on va faire du fish. Sinon je vous explique un peu le programme. Donc cet après-midi on part au bord du Rhône pêcher un peu le silure. J'ai avec deux collègues qui s'y sont déjà eux. J'ai acheté un nouvel ensemble silure, on va s'y mettre cette année. Pêcher des vrais gros poissons quoi. Ce matin on voulait quand même aller au brochet pour proposer une petite vidéo. On est quasiment sûr d'en faire ici, il y a pas mal de petits lâchers, des trucs comme ça. Donc voilà. En tout cas j'espère que votre ouverture s'est bien passée. En tout cas nous on va voir, je ferai un petit bilan en fin de vidéo. Allez, on se retrouve si on fait du fish. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, là on se retrouve au bord de l'eau, enfin en flotte. Ça ne mord toujours pas. J'ai vu une chasse en surface. Du coup, je vais tester le Whopper Plopple en 13 cm. J'ai la version en dessous, enfin en dessous. La petite en 9 cm. Mais là, comme j'ai vu une sacrée chasse, c'est plutôt un brochet. C'était 13 cm, puis ça se balancera mieux à la casting. Voilà, juste pour le fun, comme ça, pour voir autant ils sont sur les surfaces, hein, parce que il n'y a pas que nous, personne n'en prend. Hein. Franchement, c'est bizarre ici, parce que souvent l'ouverture ici ça cartonne, quoi, surtout les deux premières heures. Enfin bon, on va voir ce qu'on peut faire. J'adore ce leurre, n'empêche, regardez le bruit qu'il fait. J'adore ce leurre, c'est énorme, je trouve. Allez, c'est parti. Puis il se balance tellement bien. Donc voilà, on se retrouve au bord de l'eau, toujours en rien, c'est assez calme. Là, j'ai un collègue qui m'a rejoint, Corentin, nouveau collègue. Pêcheur de surface pour tester un peu. Tout à l'heure, j'étais au plopper, ça n'a rien donné. On va essayer au popper. Moi, je suis un petit peu au hauler souple, au one-up 5 pouces avec un Texan palette, faire les bordures. Ça donne rien. Si, il en a juste décroché un tout à l'heure de 80 cm, mais j'étais pas encore avec lui. Donc voilà. Bon, de toute façon, la journée n'est pas finie encore. Allez, on va voir si on fait du fish. Ils sont énervés. Ouais, mais moi, je suis sur du naturel. Je vais repasser sur du Fire Tiger parce qu'ils sont énervés. Ils sont sur de la couleur, je pense. Ouais, viens. Bien joué, j'arrive. Je prends l'épuisette, j'arrive. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah oui, il est sympa en plus. Il est pris sur le bord, il est pris sur le bord par contre. T'es en dessous du flotte. C'est sympa. Et il va moche en plus hein. Joli. Je pense que je tiens mon pas. Ouais. Bon, quand même, il fait 50. Ah ouais? Ouais, 50, 60. Ouais, 60. Putain, ouais, peut-être moi en fait. Putain, au moment de changer, passe au spinner. Ça valait le coup. Je te vois, donc je vais pas me faire passer.
Donc là voilà, la partie du matin se termine. Donc on a fait un beau brochet. On a quand même réussi à en sortir malgré les conditions très délicates. Il fait froid, il y a du vent, il pleut. C'est franchement compliqué, mais bon, on a quand même réussi à faire un beau rocher de 63 cm. Sinon, mon collègue en a décroché un quand il me rejoignait sur le lac. Un beau 80, il paraît. Moi, ensuite, j'en ai loupé un à la touche. Enfin, voilà, c'est compliqué. Alors, on a l'habitude que ça monte beaucoup plus ici, surtout sur l'ouverture. Qu'on fasse 4-5 brochets, mais là c'est un peu plus délicat. Enfin bon, voilà. En tout cas, on espère qu'on va se rattraper cet après-midi. On se retrouve sur Petit Fish. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ça y est. Là, on est parti. On se retrouve au bord de l'eau. On est sur un canal où il y a super population de silures. Des très très beaux brochets. Je rejoins la bande là-bas. Vous les voyez, les 4 fous. On est 5, on est 6 en tout. Avec moi. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un nouvel ensemble silure. Moulinet Pen, c'est le Pen Fierce 2, très bon moulinet en taille 5005. La canne, c'est une Cast King 240 G2 de chez Madcat. 240 parce qu'elle fait 2m40. Elle a une puissance de 50 à 175 grammes. Le leurre que j'ai au bout, c'est un petit Fox. Enfin, un petit, faut être, je sais pas moi, entre 17 et 18 cm celui-là, avec une queue rouge, un montage shallow. Voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On risque de s'amuser un peu. En tout cas, vu quand on est nombreux, on va rigoler. Et depuis tout à l'heure, on mange ensemble, on fait que de se marrer, on dit plein de conneries. Enfin, on va s'éclater quoi. Allez, on se retrouve si on fait du fish. Ah bah là, pour être accroché, t'y es. Ah mais c'est bon, décroché. J'essaie d'apprendre ça. Mais c'est pas drôle, t'en peux faire une blague. Encore. C'est pas drôle, t'en peux faire une blague. T'en peux faire en fiche. Ouais, fiche pour m'emmerder ce truc. Dans la ferraille là, le fiche. Ah, je sais que j'ai cassé. Tu grimpes sur le pont, tu sautes dedans. Même sur le pont, tu peux pas, le truc il refait tout. Mais non, tu grimpes sur le pont là-haut, tu sautes dans le truc en ferraille. À la nage. Putain, fais chier. Je casse plus avec des trucs en texan que normal. C'est comme ça logique, hein. Bien sûr. Je tombe le pont. Putain, le type. Eh, mais t'as fait un sacré nœud au bout. Pourquoi tu passes pas par en haut? Parce qu'il est dessous. Comment on a pas envie, il a plein de tours. Voilà. Là, c'est dans le petit trou de con. C'est là, c'est. Ah, le leurre il est tombé en plus. Ah, il est tombé. Oh là là, mais c'est combien aujourd'hui tôt? Oh, brochet! Oh, le brochet! Putain, le poisson! Oh, le poisson! Oui, un poisson! Oui, il y avait un poisson! Il est minuscule par contre. Ouais? Il est minuscule. Oh, le brochet! Souris, t'es filmé! Ah, ah brochet! Ah, quand même! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Ah, mais oh! Brochet, jour! Ouais, petit brochet quoi. Il y a toujours un poisson quand même. Hey, qui c'est ça, moi? Ouais, un peu. Ouais, un petit peu. Ouais, mais c'est le dessus. Allez, va. Attends, photo. Photo. On est qui a fait un truc d'un mètre. Le vainqueur. Bon, allez, quand, c'est un brochet. Allez, relâche-le. Eh oui, brochet. Eh, avec l'apparition du soleil. Donc là, voilà. Session... ouverture carnassier 2018 terminé. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train de ranger mon matériel. Je vais regonfler le flotube pour pouvoir bien nettoyer, bien le ranger correctement.
justement pour éviter les crevaisons. Car ce matin, ça a très très mal démarré. Au moment où notre collègue a gonflé son flot tube, il s'est aperçu que les chambrières étaient mal mises. Du coup, il a voulu les remettre. Et en les regonflant juste après, il a crevé. Enfin, la couture de la chambrière s'est déchirée. Il a crevé son flot tube pour l'ouverture. Alors franchement, je pense que c'était vraiment horrible à ressentir pour lui. Crevé pour l'ouverture, sachant qu'on s'attendait à une super journée, une super matinée déjà en flot tube. Être à 3 au bord de l'eau, sur l'eau, etc. Que lui, il a dû continuer sur le bord. C'est vraiment dommage. Sinon, ensuite, durant la matinée, on était sur un lac, justement, en flot tube. J'ai décroché un brochet. Et mon autre collègue en a fait un de 63 au spinnerbait rouge de chez Caperlan. En me rejoignant, il en a aussi décroché un de 80 dans ses pieds. Mais malheureusement, je n'étais pas avec lui. Donc, j'ai pas pu filmer. Sinon, voilà, bon, c'était quand même une belle ouverture. Ensuite, l'après-midi, des collègues silluristes nous ont rejoints pour pêcher, nous ont rejoints pour pique-niquer sur le plan d'eau. On a bien rigolé, on était 6. Ensuite, on est tous partis au bord d'un canal pour essayer de taper du silure et du très gros brochet. Et c'est là que j'ai décroché un magnifique brochet qui dépassait facilement les 80 cm à la cuillère ondulante. Franchement, j'étais bien dégoûté. Ensuite, on a eu une ou deux tapes. Et puis, notre collègue Franck a fait un beau brochet du 60aine de centimètres à la cuillère. Bon, voilà. C'était relativement calme. Pas une grosse ouverture. On a connu pire, on a connu mieux. Mais franchement, entre ce matin... Enfin, pire, je sais pas. Parce que entre ce matin, le flot tube qui crève pour Thibaut, les conditions météorologiques, ça m'étonnerait qu'on ait connu pire. Mais niveau poisson, on a connu pire et on a connu mieux. Par contre, niveau moral, c'était vraiment la pire ouverture, quoi. Franchement, déçu de ce flot tube qui a crevé. Mais bon, c'est là, ça arrive, hein, ce sont les risques du métier, entre guillemets. Voilà, voilà, bon. En tout cas, c'était quand même une bonne ouverture. On a bien rigolé l'après-midi, on était assis, je vous dis, en canal. On n'a pas arrêté de dire de conneries. Enfin, on a bien rigolé. Le but principal de la pêche, c'est aussi de s'amuser, pas forcément de faire du fish. Sachant que la saison est lancée. Nous allons, comme vous avez vu, j'ai acheté une nouvelle canne, un nouveau moulinet silure. On va se mettre au silure. Là déjà, on a déjà prévu une sortie pêche pour la semaine prochaine au silure roller. Là, je sens que ça va bien taper parce que les températures s'annoncent en augmentation pour la semaine prochaine. En tout cas, on va voir. On se tiendra au courant. Je vous ferai des vidéos de toute façon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, j'espère que votre ouverture s'est bien passée. Je vous mettrai les liens, si ça vous intéresse, des pages Facebook, donc celle de la team et celle de notre page Facebook, le pêcheur de Romois. Donc la team, c'est Team Glanis Predator 2607. Je vous mettrai les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans les vidéos, dites-le moi aussi, ça permet de m'améliorer. Après les insultes, etc., ça sert à rien de toute façon, parce que les commentaires, je peux très bien les supprimer. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'espère que votre ouverture s'est bien passée. Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, tiens. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de pêche. Salut à tous, à la prochaine.